Vous, vous êtes un très bon citoyen. Merci pour vous. Vous méritez vraiment de monter en grade et vous allez encore monter. Vous êtes un vrai professionnel. Amen. Vous savez comment on avait nos discussions. Vraiment. Il est vraiment pour appeler ça. J'ai même revu une vidéo comme ça. Oui, ils ont mixé. Non, vous voyez la vidéo là où vous m'empêchez d'aller à la dixième chez les parents. On ne voulait pas que les Sphinx sortent. Voilà. Le compte rendu de vandalisation. Non, mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous devez mériter encore d'aller plus haut. Ah oui, merci, colonel. Merci. Ah oui, mais vraiment, un vrai professionnel. Ça, j'avais beaucoup apprécié. Vous direz non. Amen. Qui vous garde aussi. Et bravo pour le travail que vous avez fait. Zéro mort. Vous voyez, c'est très bien. Et les voyous ont été maîtrisés. C'est très bien. Ça, c'est pour ça qu'on soutient notre police. On vous soutiendra encore. L'académie va bientôt être opérationnelle. On mettra les conditions pour améliorer votre formation et votre protection. C'est ça. Voilà. Merci, colonel. Vous êtes un très bon citoyen. Merci pour vous. Vous méritez vraiment de monter en grade et vous allez encore monter. Vous êtes un vrai professionnel. Amen. Vous savez comment on avait nos discussions. Vraiment. Il est vraiment pour appeler ça. J'ai même revu une vidéo comme ça. Oui, ils ont mixé. Vous voyez la vidéo là où vous m'empêchez d'aller à la dixième chez les parents. On ne voulait pas que les Sphinx sortent. Voilà. Le compte rendu de vandalisation. Non, mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous devez mériter encore d'aller plus haut. Ah oui, merci, colonel. Merci. Ah oui, mais vraiment, un vrai professionnel. Ça, j'avais beaucoup apprécié. Vous direz non. Amen. Qui vous garde aussi. Et bravo pour le travail que vous avez fait. Zéro mort. Vous voyez, c'est très bien. Et les voyous ont été maîtrisés. C'est très bien. Ça, c'est pour ça qu'on soutient notre police. On vous soutiendra encore. L'académie va bientôt être opérationnelle. On mettra les conditions pour améliorer votre formation et votre protection. C'est ça. Voilà. Merci, colonel. Ils m'ont dit, ne venez pas intervenir, nous on va venir avec des machettes. Kabounde et Kabouya et Kazadi, les Abraham, ils ont pris $80,000. Ils ont cité le nom. Communiqué de presse de la SENCO sur les marches pacifiques du 20 mai 2023. La Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, à travers sa commission Justice-Paix, a déployé des moniteurs pour suivre les marches pacifiques organisées ce samedi 20 mai courant dans la ville de Kinshasa par les formations politiques aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique.
Ces moniteurs ont été déployés sur tous les itinéraires prévus à cet effet. La SENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant, ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La SENCO est écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU ou Brigade spéciale de l'UDPS, Force de progrès. Avec une telle complicité affichée publiquement, on se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligée aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. Dans la réalisation de leur œuvre macabre, ils n'ont pas hésité de tirer à balles réelles, visant même le véhicule d'un leader politique. La SENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elles viennent. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables. Nous avons grandement besoin des forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. La SENCO exhorte le peuple congolais de ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. Puisse la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercéder pour la RDC et ses habitants. Je vous remercie. Nous sommes militants partis, nous. Hein? Comment encore ton prénom? Hein? Prénom, Naina. Comment est-ce? Roger. 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 Aux hommes militants partout. Tu vas nous foutre la merde. Hein? Aux hommes partout. On va les offrir la classe dans le ministère. Bon, Bango, tu peux aller dans le col. Le centre final de Pam, à la Nizane, à Bétinaï, à Souké, à la Souterre. À Béti, bon, Bango, à la Nizane. À Béti, bon, il a le col. À Béti, mon Dieu, il a le col. Pas encore la Souterre, il a la Souterre. Il est très à côté de nous, là. Hein? Oui, oui, oui. Il était avec nous. Pour qu'aujourd'hui, là, il est de passer les examens. Ça, c'est une encoute, hein.
Donc lui aussi, on doit faire un scanner abdominal hein, pour se rassurer des organes internes. Tu veux faire vite, c'est pas grave. Faut faire vite, c'est pas grave. Oui, oui, on va le faire aussi. Et elle, elle était sur un véhicule. On a tiré les tournesols premiers et puis on a monté. Et puis elle a un point avec l'épaule. Également lui aussi, il est tombé. Il était sur un véhicule, on l'a tiré, il est tombé. Et il a eu une cervicalgie atroce. Alors on a tiré les mains pour maintenir un peu, faire le scanner pour se rassurer s'il n'y a pas une lésion de la moelle ou encore autre chose. Et lui, on était déjà, c'est lui qui avait reçu le bail. Donc, c'est important. Okay. Ça, c'est les 5 que vous avez ici. Oui. Et puis, s'il y en a qui sont partis. Non ouais, les ambulants, ils sont partis. Mais eux, on les a gardés. Il y avait des ambulants, ils sont venus, on les a traités, ils sont partis. Alors, ça, c'est les 5 que vous avez gardés. Les 5 qu'on a gardés. Combien d'ambulants vous avez mis ? Fils, la mère de la victime, a crié au secours. Bonjour papa Moïse, vous en avez déjà eu celui non à la pour la situation moi. Au moins, nous avons une salle à télé, vous avez une salle juste de classe, il a coûté dans ma campagne. Vous en avez un peu de hôpital, et tout le monde a fait un peu de temps à la Awa, il y a un peu de temps à la Bissot, vous en avez un peu de temps à la Bissot. Moi, la situation est de changer, nous tous les jours d'Imba. Mais tout vous savez, soin, pas de traitement, il y a ma casse, il y a ma campagne. Ma bête qui est à niveau, bah salut moi. Allez, bah t'es l'autre côté, allez, bah t'es l'autre côté, moi. Aussitôt informés, les opposants ont promptement agi. Ils ont dépêché leurs émissaires pour assister l'infortuné. Les deux élus de Kinshasa, Mike Mukebai et Daniel Safou, étaient au chevet de la victime. C'est pas un enfant ordinaire, c'est un enfant extraordinaire. Voilà. Puis ce Mabino, tout le monde est là. Dans la 6e prix, assis à Kélas, tout à l'heure, il nommé à Congo, ils ont des bambouilles. Il a qui s'est enveloppe remise, la maman du petit a remercié les gestes des leaders de l'opposition pour qui elle a béni Dieu pour leur apport combien important. Juste après cette action, qui a eu lieu dans sa résidence, l'honorable Mike Mukebai est pris par les agents de sécurité cagoulés et conduit à une destination inconnue. Après l'aide des leaders de l'opposition à la suite du SOS lancé par la feste d'équerre posée par les opposants pour qu'ils se réveillent, les autorités s'érigent désormais au domicile du gamin tout en courant comme on le voit dans les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a improvisé une visite à la famille de la victime, promettant aussi de prendre en charge les frais d'hospitalisation du gamin. Je suis déjà au courant parce que je vais contacter vous. Baro, Batinda, qui va tout manger là. Objectif, on a besoin de Zaradi, Batoubakouf à Ibélé, Batoubazoka à Ibélé, Batoubamouk à Ibélé. Curieuse assistance pour un régime qui a autorisé la violence, quitte à venir à assister les victimes par la suite. Il y a intérieur. Pour la lander dans la ville, à l'obi, bisot aux ubanamiké, bakotamoula, comme cher à canon. C'est-à-dire que bango nene bayaki bisot au tamoula pacifiquement. Sans mandoki, sans eloko. Donc bango bayaki bisot aux cher à canon à bango. Donc yaki wana, ko bango babeta bisot. Moi, na oyo, bomona ki na bilili, ba lokoti ye, aza soki 12 ans. Je suis venu ici à la masse.
mwana wana pe ba memela ki bango le salisi pote bato nyonso batamboli na biso biso lokwa ba leader tolobi tokoza sima na bango tokosalisa bango yango ntango Mike Mukeba ya bimi kuna bawelisi kokanga ye na minute oyo tozoluba baenleve mwana wana na place ya azalaki bamemi ye na clinique moko Promedis bao na de bonhomme pe bazingi bisika moto malade azali na basoda ya garde républicaine.